Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h. Maigret n'est pas un homme intelligent, c'est un homme qui est uniquement intuitif. Qui, extérieurement, n'impressionne pas du tout. C'est ce qui, je crois d'ailleurs, impressionne le plus les criminels. Georges Simenon. Parce que lorsque vous avez devant vous un monsieur qui ne réagit pas, un monsieur qui vous regarde lourdement, comme ça, avec l'air de s'embêter, qui fume sa pipe, avec l'air de vous regarder comme si vous étiez un insecte, c'est très très difficile de réagir. Ça peut pas faire de mal. Autrement dit, un homme très ordinaire en apparence, et d'ailleurs d'une intelligence très ordinaire aussi, d'une culture moyenne, mais qui a le sens de renifler les gens, de renifler l'intérieur des gens. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal. Peut-être après tout serait-il plus simple de commencer par le commencement. Donc le commissaire Maigret, dis-je, est né par le plus grand des hasards. Au fait, il n'est même pas né en France, mais en Hollande, en 1929 ou en 1930, alors que mon bateau, l'Ostrogo, fatigué par un été dans les mers du Nord, avait quitté son élément naturel et se dressait sur un chantier livré aux mains des calfins. Je ne sais pas si vous connaissez les calfins. Ce sont des gens qui, à grands coups de maillet, frappent à longueur de journée sur la coque d'un bateau afin de faire entrer le plus de chanvre entre les planches pour les rendre étanches. Du matin au soir, donc, ils frappaient de la sorte. Et dans ma cabine, on aurait pu se croire sous la grosse cloche d'une cathédrale un dimanche de Pâques. Comme il me fallait travailler coûte que coûte, ne fût-ce que pour payer ces bougres-là, je dénichais au fond du port une goélette coulée depuis des années dans laquelle il n'y avait, par miracle, qu'une dizaine de centimètres d'eau. C'est là que Maigret est né. Moi, assis sur une caisse, ma machine à écrire sur une autre, mes pieds en équilibre sur des briques qui formaient d'instables îlots. Je n'avais lu alors ni Conan Doyle, ni Wallace. Pourquoi je m'étais mis en tête d'écrire des romans policiers, je n'en sais rien. Je me suis dit, en somme, c'est un métier comme un autre. Donc ces gars-là doivent être des gens comme les autres. Et je conçus Maigret à la ressemblance de tout le monde. Un brave type, faisant son métier aussi consciencieusement que possible. Ainsi commence la légende du commissaire Maigret selon les propres mots de son créateur, l'écrivain belge Georges Simenon, que mon père adorait et dont il disait « c'est Balzac après Freud ». Si cette année 2019 marque les 30 ans de la disparition de Georges Simenon, elle célèbre aussi les 90 ans de son célèbre personnage. Né au cours de l'été 1929, Maigret est un savant mélange de réalité et de fiction, de flegme et de flair, qui a conquis des millions de lecteurs dans le monde entier. Héros de 75 romans publiés entre 1930 et 1972, l'homme à la pipe finit par se confondre dans l'imaginaire de ses admirateurs avec la personnalité même de son auteur. Ce soir, pour rendre hommage à ce monstre sacré du roman policier, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir un magnifique comédien qui, lui aussi, a longtemps incarné à la télévision le sens de la justice, Jean-François Balmer. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Guillaume Gallienne. Je suis très heureux de vous retrouver pour la seconde fois dans Ça peut pas faire de mal. Vous aviez interprété un délicieux et très aristocratique Jeeves en ouverture de la saison. Je vous invite aujourd'hui à parcourir les premières enquêtes de Maigret, un personnage mythique qui vous va si bien. Découvrons le premier Maigret, publié sous le nom de Georges Simenon. À 17 ans, le jeune Simenon quitte sa ville natale de Liège pour Paris, où il fait ses débuts dans le journalisme à la rubrique des faits divers. Une expérience capitale, confiera-t-il plus tard, qui lui a permis, je cite, « de brasser de la pâte humaine ». 10 ans plus tard, il a déjà écrit 200 romans populaires, récits d'aventures et romans sentimentaux, publiés sous de nombreux pseudonymes, dont Christian Bruls ou Georges Sim. L'été 1929, à bord de son voilier, l'auteur commence à esquisser le personnage de Maigret. Voici un extrait de « Piètre le laiton », ce roman que Simenon aurait écrit, selon sa propre légende, sur une caisse en bois à fond de cale. Paru sous forme de feuilleton dès l'année 1930, il est la première œuvre signée du vrai nom de l'auteur. Nous sommes au début du roman. Alerté de l'arrivée d'un gangster international, Maigret se rend dans l'un de ses lieux de prédilection, la gare du Nord.
Dans l'atmosphère sombre d'un mois de novembre, la silhouette qui se dessine est la première description physique du personnage. Maigret était debout, près du quai 11 où la foule attendait le train, l'Étoile du Nord qui assurait la liaison Bruxelles-Paris. Il ne bougeait pas. D'autres s'énervaient. Une jeune femme, emmitouflée de vison, les jambes gainées de soie invisible, allait et venait en martelant le sol de ses talons. Lui restait là, énorme, avec ses épaules impressionnantes. Il avait surtout une façon bien à lui de se camper quelque part, qui n'était pas sans avoir déplu à main de ses collègues eux-mêmes. C'était plus que de l'assurance et pourtant ce n'était pas de l'orgueil. Il arrivait d'un seul bloc et dès lors il semblait que tout dût se briser contre ce bloc, soit qu'il avançât, soit qu'il restât planté sur les jambes un peu écartées. La lumière jaune du train pointa au loin, puis ce fut le vacarme. Les cris des porteurs, le piétinement laborieux des voyageurs vers la sortie, il en défila 200 avant que le regard de Maigret cueillît dans le flot un petit homme vêtu d'un manteau de voyage vert à grands carreaux dont la coupe, comme la couleur, était de style nettement nordique. L'homme ne se pressait pas, il était suivi de 3 porteurs, le représentant d'un palace des Champs-Élysées lui frayait obséquieusement un passage. Maigret se rappela le signalement. Âge apparent 32, taille 1m69, sinus du nez, il ne s'agita pas, il visa l'oreille, cela lui suffit. L'homme en vert passa très près de lui, un des porteurs heurta le commissaire d'une de ses valises. Au même instant, un employé du train se mettait à courir, lançait quelques mots en hâte à son collègue qui se tenait au bout du quai près de la chaîne permettant de barrer le passage. Cette chaîne fut tirée, des protestations éclatèrent. L'homme en manteau de voyage était déjà à la porte. Le commissaire fumait par petites bouffées précipitées. Il s'approcha du fonctionnaire qui avait tendu la chaîne. Et police, qu'est-ce que c'est ? Un crime. On vient de découvrir... Voiture 5, laissez passer. La gare vivait sa vie habituelle. On courait quelque part. Seul, le quai 11 avait un aspect anormal. Devant un des wagons de l'Étoile du Nord, un petit groupe attendait quelque chose. 3 hommes en uniforme de la compagnie. Police, où est-il ? Au lavabo. On le regarda avec un évident soulagement. Il poussait sa masse placide au milieu du groupe, agité, et du coup, les autres n'étaient plus que des satellites. Maigret se hissa, vit la porte des lavabos ouverte à sa droite sur le sol. Un corps était tassé, plié en deux, étrangement contorsionné. D'abord, il ne vit que la nuque de l'homme, et en faisant glisser sa casquette posée de travers, il découvrit l'oreille gauche et la reconnut. Il y avait quelques gouttes de sang sur le linoléum. Il regarda autour de lui, le chef du train donnait des ordres. Qu'on conduise le wagon sur une voie de garage. Attendez, et qu'on avertisse le chef de gare. Alors, Maigret renversa la tête de l'homme et serra davantage sa pipe entre ses dents. Si quelques instants plus tôt, il n'avait pas vu sortir le voyageur en menton ouvert, s'il ne l'avait pas vu se diriger vers une voiture en compagnie d'un interprète du Majestic, il eût pu douter. Même signalement, même petite moustache blonde coupée en brosse à dents, sous un nez à arêtes vives, même sourcils clairs et rares, même prunelles d'un gris verdâtre, tout concordait, autrement dit, piètre le laiton. Que
des choses qui vous rapprochent de Maigret, c'est l'attention de Maigret pour les petites gens, sa curiosité et sa sympathie pour le... Oui, pour c'est venu petit à petit tout ça. Oui. C'est venu petit à petit. Quoique tout de même, même dans Pitre le laiton qu'est le premier, Maigret a de la sympathie pour l'assassin. Il arrive même souvent qu'il le laisse plus ou moins échapper. Quittons Paris pour le grand large. Lorsque Simenon propose ses 10 premières enquêtes de Maigret à son éditeur, Fayard, celui-ci proteste. Mais c'est impubliable. Un, l'intrigue ne respecte pas les règles scientifiques. Deux, le héros est gros, gras et sans poésie. Trois, il n'y a pas d'amour. Mais pour Georges Simenon, le roman policier n'appartient pas à un genre, car selon lui, je cite, « toute œuvre littéraire part de la mort d'un homme depuis la tragédie antique ». Et, en pur styliste, l'écrivain travaille d'abord à créer une atmosphère qu'il définit en ces termes « là-dedans, il faut ce qu'il faut. De la pluie, des flaques d'eau, des reflets sur les trottoirs mouillés, des bistrots qui sentent l'anis, des chambres à coucher qui sentent la sueur. S'il fait chaud, il fait chaud à en crever. S'il fait froid, il s'agit que le bout du nez vous gèle rien qu'à lire un chapitre. » Ouvrons l'un de ses premiers livres, Le chien jaune, publié en 1932. Il est le premier adapté à l'écran au tout début du cinéma parlant. Voici pourtant une magnifique scène muette, la scène d'exposition, éloquente comme un décor de film. Vendredi 7 novembre, Concarneau est désert. L'horloge lumineuse de la vieille ville qu'on aperçoit au-dessus des remparts marque 11h05. C'est le plein de la marée et une tempête du sud-ouest fait s'entrechoquer les barques dans le port. Le vent s'engouffre dans les rues où l'on voit parfois des bouts de papier filer à toute allure au ras du sol. Quel aiguillon, il n'y a pas de lumière. Tout est fermé, tout le monde dort. Seules les trois fenêtres de l'hôtel de l'amiral, à l'angle de la place et du quai, sont encore éclairées. Elles n'ont pas de volets, mais à travers les vitraux verdâtres, c'est à peine si on devine des silhouettes. Et ces gens attardés au café, le douanier de garde les envie, blotti dans sa guérite à moins de 100 mètres. En face de lui, dans le bassin, un caboteur qui, l'après-midi, est venu se mettre à l'abri. Personne sur le pont. Les poulies grincent et un phoque mal cargué claque au vent. Puis il y a le vacarme continu du ressac. Un déclic à l'horloge qui va sonner 11h. La porte de l'hôtel de l'amiral s'ouvre. Un homme paraît, qui continue à parler un instant par l'entrebâillement à des gens restés à l'intérieur. La tempête le happe. Agite les pans de son manteau, soulève son chapeau melon qu'il rattrape à temps et qu'il maintient sur la tête tout en marchant. Même de loin, on sent qu'il est tout guilleret, mal assuré sur ses jambes et qu'il fredonne. Le douanier le suit des yeux, sourit quand l'homme se met en tête d'allumer un cigare. Car c'est une lutte comique qui commence entre l'ivrogne, son manteau que le vent veut lui arracher et son chapeau qui fuit le long du trottoir. 10 allumettes s'éteignent. L'homme avise un seuil de 2 marches, s'y abrite, se penche, une lueur tremble, très brève, le fumeur vacille, se raccroche au bouton de la porte. Est-ce que le douanier n'a pas perçu un bruit étranger à la tempête? Il n'en est pas sûr. Il rit d'abord en voyant le noctambule perdre l'équilibre, faire plusieurs pas en arrière tellement penché que la pose en est incroyable. Il s'étale sur le sol, au bord du trottoir, la tête dans la boue du ruisseau. Le douanier se frappe les mains sur les flancs pour les réchauffer, observe avec mauvaise humeur un phoque dont les claquements l'irritent. 1 minute, 2 minutes passent. Nouveau coup d'œil à l'ivrogne qui n'a pas bougé. Par contre, un chien venu d'on ne sait d'où est là, qui le renifle. C'est seulement à ce moment-là que j'ai eu la sensation qu'il s'était passé quelque chose, dira le douanier au cours de l'enquête. Les allées et venues qui succèdent à cette scène sont plus difficiles à établir dans un ordre chronologique rigoureux. Le douanier s'avance vers l'homme couché, peu rassuré par la présence du chien, une grosse bête jaune et hargneuse. D'abord, le fonctionnaire ne voit rien d'anormal. Puis il remarque qu'il y a un trou dans le par-dessus de l'ivrogne et que de ce trou sort un liquide épais. Alors il court à l'hôtel de l'amiral. Le café est presque vide. Accoudé à la caisse, une fille de salle. Près d'une table de marbre, 2 hommes achèvent leurs cigares, renversés en arrière, jambes étendues. Vite ! Un crime ! Enfin, je sais pas. Le douanier se retourne.
Le chien jaune est entré sur ses talons et s'est couché au pied de la fille de salle. Dans l'atmosphère du drame, ce chien a quelque chose d'inquiétant. Peut-être sa couleur, d'un jaune sale, sans doute un chien de bateau. C'est le lendemain que Maigret établit tant bien que mal ce résumé des événements. Depuis un mois, il était détaché à la brigade mobile de Rennes. Il avait reçu un coup de téléphone alarmé du maire de Concarneau. Maigret s'installa naturellement à l'hôtel de l'amiral, qui est le meilleur de la ville. Il était 5h de l'après-midi et la nuit venait de tomber quand il pénétra dans le café. Il y avait dans l'atmosphère quelque chose de gris, de terne, sans qu'on pût préciser quoi. Le regard de Maigret tomba sur le chien jaune, couché au pied de la caisse. Il leva les yeux, aperçut une jupe noire, un tablier blanc, un visage sans grâce, et pourtant si attachant que pendant la conversation qui suivit, il ne cessa de l'observer. Chaque fois qu'il détournait la tête, d'ailleurs, c'était la fille de salle qui rivait sur lui son regard fiévreux. Maigret reste un campagnard. Georges Simenon. Oui, il reste très près de la terre. Et ça, j'y tiens. D'ailleurs, son père était un terrien puisqu'il était régisseur dans un château de l'Allier. Et Maigret a gardé de son enfance campagnarde une certaine lourdeur qu'il n'essaye pas du tout de cacher, d'ailleurs. C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Il avait la tête chenue et le cœur ingénu. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Mais la chair fraîche, la tendre chair, mon vieux, ça coûte cher. Au bout de 5 à 6 baisers, son or fut épuisé. Au bout de 5 à 6 baisers, son or fut épuisé. Quand sa menotte elle a tendu, triste il a répondu qu'il était pauvre comme Job. Elle a remis sa robe. Qu'il était pauvre comme Job, elle a remis sa robe. Elle alla quérir son coquin qui avait la patte du gain. Sont revenus chez le Grigou faire un bien mauvais coup. Sont revenus chez le Grigou faire un bien mauvais coup. Et pendant qu'il le lui tenait, elle l'assassinait. On dit que quand il expira, la langue elle lui montra. On dit que quand il expira, la langue elle lui montra. Mire tous en dessus dessous, trouvèrent pas un sou. Mais des lettres de créanciers, mais des saisies d'huissiers. Mais des lettres de créanciers, mais des saisies d'huissiers. Alors prise d'un vrai remords, elle eut chagrin du mort. Et sur lui tombant à genoux, elle dit pardonne-nous. Et sur lui tombant à genoux, elle dit pardonne-nous. Quand les gendarmes sont arrivés, en pleurs ils l'ont trouvée. C'est une larme au fond des yeux qui lui valut les cieux. C'est une larme au fond des yeux qui lui valut
les cieux. Et le matin qu'on la pendit, elle fut en paradis. Certains dévots depuis ce temps sont un peu mécontents. Certains dévots depuis ce temps sont un peu mécontents. C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Revenons à Paris et découvrons la vraie vocation de Maigret, un personnage discret et observateur. Passionné de navigation, le romancier situe de nombreuses intrigues en bord de mer ou dans l'univers des canaux. Dans Maigret et le corps sans tête, publié en 1955, des bateliers parisiens font une découverte macabre, des morceaux d'un corps humain dépecé. Allô, bonjour monsieur le commissaire. Je vous demande pardon de vous déranger. Des mariniers viennent de retirer un bras humain du canal. Non, un bras d'homme. Comment ? Ah oui, il est ici ? Bon, je lui pose la question. Il a l'air d'avoir séjourné longtemps dans l'eau ? Ça dépend de ce que vous entendez par longtemps. Ah, il est très décomposé ? On peut pas dire. À mon avis, il doit y avoir dans les 2 ou 3 jours. Deux ou trois jours. Bon, ben j'appelle Victor. D'instinct, Maigret commence par visiter les cafés des alentours. Dans un modeste bistrot, une femme au charme étrange attire son attention. Retrouvons le commissaire au moment où il s'apprête à retourner au même café. Une fois n'est pas coutume, l'enquêteur impassible semble profondément troublé. Il se demanda à ce moment-là si l'affaire ne serait pas terminée le soir même. L'image de la femme brune et maigre qui leur avait servi à boire le matin lui revenait à la mémoire. Elle avait dû être jolie, en tout cas comme tout le monde, elle avait été jeune. Maintenant, ses yeux, sa bouche, tout son corps donnaient des signes de lassitude. Elle l'avait beaucoup frappé et il avait pensé 2 ou 3 fois à elle pendant la journée, pas nécessairement en connexion avec l'homme coupé en morceaux, mais parce que ce n'était pas un personnage ordinaire. Les individus pittoresques ne manquent pas dans un quartier comme celui du quai Valmy, mais rarement il avait rencontré le genre d'inertie qu'il avait constaté chez cette femme. C'était difficile à expliquer. La plupart des gens, en vous regardant, échangent quelque chose avec vous, si peu que ce soit. Un contact s'établit, même si ce contact est une sorte de défi. Avec elle, au contraire, il ne se produisait rien. Elle s'était approchée du comptoir, sans étonnement, sans crainte, sans qu'il soit possible de lire quoi que ce fût sur ses traits. 2 ou 3 fois, en buvant son verre, Maigret avait plongé le regard dans le sien. Il n'avait rien découvert, n'avait provoqué aucun mouvement, aucune réaction. Or, ce n'était pas de la passivité d'une personne inintelligente. Elle n'était pas ivre non plus, ni droguée, en tout cas à ce moment-là. Déjà, le matin, il s'était promis de retourner la voir, ne serait-ce que pour se rendre compte du genre de clientèle qui fréquentait l'établissement. « Vous avez une idée, patron ?» demanda l'inspecteur Lapointe qui l'accompagnait. « Peut-être... »« Vous pensez qu'une femme aurait été capable de faire ce travail-là ?»« C'est possible, je n'en sais rien. Allons-y. » Ce fut, en fin de compte, l'un des interrogatoires les plus décevants de Maigret. Ce ne fut d'ailleurs pas un interrogatoire à proprement parler. Longtemps, le commissaire et Lapointe restèrent debout au comptoir à boire leur verre comme des clients. Elle les laissa un bon moment seuls dans la salle, tandis qu'elle disparaissait par une porte derrière qu'elle laissait entr'ouverte. « Elle ne vous inquiète pas ?» souffla Lapointe à l'oreille de Maigret. Ce n'était pas de l'inquiétude que ressentait le commissaire, mais
un intérêt comme il n'avait pas eu depuis longtemps l'occasion d'en porter à un être humain. Lorsqu'il était jeune, qu'il rêvait de l'avenir, n'avait-il pas imaginé une profession idéale qui, malheureusement, n'existe pas dans la vie réelle? Il ne l'avait dit à personne, n'avait jamais prononcé les deux mots à voix haute, fût-ce pour lui-même, il aurait voulu être raccommodeur de destinée. Curieusement, au cours de ces dernières années, une profession était née qui ressemblait quelque peu à celle qu'il avait imaginée, le psychanalyste, qui s'efforce de révéler à un homme sa vraie personnalité. Or, si quelqu'un n'était visiblement pas à sa place, c'était cette femme qui allait et venait en silence, sans qu'on puisse rien deviner de ses pensées et de ses sentiments. Victimes ou manipulatrices, riches héritières ou filles de petite vertu, les femmes peuplent l'univers de Simenon et de Maigret. Joyeux Noël, Maigret. Oh, tu t'es levé. Moi qui me réjouissais de te servir ton petit déjeuner au lit. Hier soir, tu m'avais pourtant promis que... Ben, je sais. Demain, je fais la grosse matinée. Une fois de plus, j'ai pris au mot, comme d'habitude. Mariée à Louise, une Alsacienne qui incarne la ménagère parfaite, le commissaire semble d'une fidélité exemplaire. Découvrons à présent deux portraits de femmes radicalement opposées. Celui de Madame Maigret, l'épouse patiente et compréhensive, et celui de Germaine, une domestique, séductrice, impliquée dans une affaire de meurtre. Ces deux personnages apparaissent dans un roman intitulé « La première enquête de Maigret ». Publié en 1949, ce livre n'est pas le premier Maigret au sens éditorial, mais le premier Maigret biographique, qui relate la première affaire menée par le jeune policier en 1913. À l'époque, il n'est pas encore commissaire, mais le secrétaire du commissaire du quartier Saint-Georges. Une nuit de garde à la Sûreté, qui ne s'appelle pas encore la PJ, Jules Maigret voit arriver un jeune homme, musicien, Justin Minard, qui aurait entendu un coup de feu dans la maison des Gendreau, une riche famille qui a fait fortune avec le café Balthazar. Le commissaire! Je suis son secrétaire, Jules Maigret. Et dans ces gens jugent par votre nez de méfier, vous avez été assaillé par un voyou. Non. J'ai tenté de me porter au secours d'une femme qui appelait à l'aide. Dans la rue? Dans un hôtel particulier de la rue Chaptal. Mm-hmm. Je crois que vous feriez mieux de venir tout de suite. Ils m'ont flanqué à la porte. Sans hésiter, le policier se déplace sur les lieux, mais ne découvre aucune victime. Par prudence, Maigret décide de placer Germaine sous sa protection en la confiant d'abord à sa femme, puis en l'installant dans une petite chambre sous surveillance. Commençons par la jeune et prude Madame Maigret et retrouvons le couple dans l'intimité un peu désuète de leur vie conjugale. Je lirai le récit Madame Maigret et vous Jean-François Maigret. À 9h10, une Madame Maigret souriante, qui sentait bon le frais et la savonnette, tirait les rideaux de la chambre, livrant passage à un soleil guiré. Il n'y avait pas si longtemps qu'elle était mariée, et elle ne s'était pas encore habituée à l'aspect d'un homme endormi, avec les pointes des moustaches roussâtres qui frémissaient, les plissements du front quand une mouche s'y posait, les cheveux drus à rebrousse-poil. Elle riait. Elle riait toujours quand elle approchait de lui le matin, une tasse de café à la main, et qu'il la regardait avec des yeux vagues et un peu enfantins. C'était une grosse fille fraîche, comme on n'en voit que dans les pâtisseries ou derrière le comptoir de marbre des crèmeries. Une grosse fille pleine de vitalité, qu'il pouvait pourtant laisser des journées entières dans leur petit appartement du boulevard Richard Lenoir sans qu'elle s'ennuyât un instant. « À quoi penses-tu, Jules ?» Elle ne l'appelait pas encore Maigret à cette époque-là, mais elle avait déjà pour lui cette sorte de respect qui lui était propre. « Je pense... » Et il lui récita un texte qui lui était revenu à la mémoire au moment où il ouvrait les yeux après seulement 2 heures de sommeil. C'était des phrases du règlement intérieur de la police. « Il est de règle absolue que les fonctionnaires, agents de la sûreté, doivent tout leur temps au service. Aucun loisir ne saurait leur être assuré. » C'est du café Balthazar? Pourquoi tu me demandes ça? Il n'est pas bon? Il prit un tub car il n'y avait pas encore de salle de bain dans l'appartement. Il mangea de la soupe, comme il l'avait toujours fait le matin à la campagne quand il était enfant. « Je suppose que tu ne sais pas quand tu rentreras. » Et il répéta en souriant. « Aucun loisir ne saurait leur être assuré. » Elle le savait par cœur. Elle avait déjà son chapeau sur la tête. Elle aimait le conduire jusqu'à son bureau, comme elle aurait emmené un enfant à l'école.
Elle n'est pas vraiment jolie, Madame Maigret, Louise Maigret. Elle n'est pas jolie dans le sens des magazines féminins, mais elle a cette fraîcheur, ce sourire et cette spontanéité qui font qu'une femme est beaucoup plus plaisante que si elle était jolie ou même belle. Restant en compagnie du jeune Maigret en 1913, ce n'est pas au bureau que le policier se rend ce matin-là, mais chez sa protégée. Si vous le voulez bien, Jean-François, vous incarnerez successivement le narrateur et Maigret, et je ferai de mon mieux dans le rôle de l'enjôleuse. Elle traîna ses pieds nus sur le tapis. Elle était en chemise avec des cheveux qui lui tombaient jusqu'aux reins, une poitrine lourde, gonflée de sève. Il y avait pourtant un certain temps qu'elle était éveillée, car on voyait sur la table de nuit un plateau avec un reste de chocolat et des miettes de croissant. Cela ne vous fait pas drôle d'être tout habillé alors que je suis en chemise de nuit ? Non. Votre femme n'est pas jalouse ? Non. J'aimerais que vous me parliez du comte d'Anceval. Pensez qu'il est 1h du matin, une dispute éclate dans la chambre de Mademoiselle Gendrault. Qui, à votre avis, pourrait se trouver dans sa chambre ? Elle s'était mise à se peigner devant la glace, découvrant les touffes rousses de ses aisselles, et on voyait le rose de son corps en transparence. Elle faisait un effort pour réfléchir. Richard Gendrault aurait-il pu monter chez sa sœur ? Sûrement, il l'a fait souvent, surtout quand il était furieux. Portait-il parfois un revolver ? Monsieur Richard possède des revolvers, un gros et un petit, mais ils sont dans son bureau. Mademoiselle en a un aussi, à crosse de nacre dans le tiroir de sa table de nuit. Elle est peureuse. Non, elle se méfie, comme toutes les chippies. Elle se figure toujours que les autres lui en veulent. Lui est-il arrivé de recevoir le comte d'Anceval dans sa chambre ? Peut-être pas dans sa chambre exactement, mais dans le boudoir qui est à côté. À 1h du matin ? Probablement. J'ai lu un livre sur Élisabeth, la reine d'Angleterre. Vous connaissez ? C'est un roman, mais cela doit être la vérité. C'est une femme froide qui ne pouvait pas faire l'amour. Je ne serais pas étonné que mademoiselle soit comme ça. Ce n'est pas mon cas, heureusement. Le peigne crissait dans ses cheveux. Elle cambrait les reins, observait parfois Maigret dans le miroir. Est-ce que, en entendant du bruit au second étage, M. Richard aurait pu monter avec son revolver pour surprendre l'amant de sa sœur ? Cela lui serait bien égal. Pour ces gens-là, il n'y a que l'argent qui compte. Elle continuait à faire la roue devant lui, sans se douter qu'il était loin, qu'il était là-bas dans la chambre de la rue Chaptal, à essayer de mettre les gens en place, comme au théâtre. À quoi ressemble le comte d'Anceval ? Peut-être 25 ans, c'est un beau garçon, l'air un peu voyou. On dirait toujours qu'il se moque des gens. Est-ce un homme à avoir une arme dans sa poche ? Sûrement. Pourquoi êtes-vous si affirmative ? Parce que c'est un type comme ça. Monsieur Félicien, le père, était-il du côté de sa fille ou de son fils ? Du côté de personne. Ou plutôt de mon côté, si vous désirez le savoir. Il lui est arrivé d'entrer dans ma chambre en pantoufle à 1h du matin sous le prétexte d'un bouton à recoudre. Une fois, je lui ai sorti tout crûment. Si vous voulez continuer à vous exciter comme ça, vous allez avoir une attaque. Cela ne l'empêche pas de recommencer. Dis donc, ça vous gêne pas de regarder une femme qui fait sa toilette ? Maigret se levait, cherchait son chapeau. Où allez-vous ? Vous n'allez pas me laisser seule ? J'ai des rendez-vous importants. Dans un moment, mon ami Justin Minard, qui vous a amené ici, viendra vous tenir compagnie. Où est-il ? Au café. Pourquoi êtes-vous monté sans lui ? Avouez que vous aviez une idée derrière la tête. Vous n'osez pas. C'est à cause de votre femme. Déjà, elle avait versé de l'eau dans la cuvette pour se laver. Et Maigret, vous voyez le moment où elle laisserait tomber sa chemise dont les bretelles glissaient un peu plus à chaque mouvement. Je vous rencontrerai sans doute dans la journée, dit-il en ouvrant la porte. Et il retrouva dans un rayon de soleil qui prenait la terrasse de biais, Justin Minard, qui buvait
un café crème. Maigret commanda un boc de bière. « Dites-moi, Minard, la demoiselle est là-haut, je ne sais pas quand je serai libre. Je crains, si on la lâche, qu'elle aille faire un tour rue Chaptal et qu'elle parle. » « J'ai compris. » « Si vous sortez avec elle, laissez-moi un mot pour me dire où vous êtes, si vous avez besoin de votre liberté, conduisez-la à ma femme. » « Entendu, patron. » Et Maigret devait se souvenir beaucoup plus tard que le petit flûtiste avait été le premier à l'appeler patron. Guillaume Gallienne sur France Inter. Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Je tuerai la pianiste pour ce qu'elle a fait de moi. Chaque jour de ma vie, chaque semaine, chaque mois. Et je mordrai sa joue qui un jour fut à moi. Sur le piano de ses nuits, sur le piano de ses draps. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que la vie d'artiste n'est pas rose, n'est pas sans tache. Comme un navire qui tangue, qui rompt ses attaches. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe en dehors de ça. Je tuerai la pianiste qui n'a pas su m'aimer. Dans la chambre je pleure où l'amour se cache. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Je suis un indien, je suis un apache, auquel on a fait croire que la douleur se cache. Je suis un apache, je suis un indien, auquel on a fait croire que la montagne est loin. Je tuerai la pianiste. Évoquons à présent l'un des chefs-d'œuvre qui a marqué les débuts de Georges Simenon. C'est un roman très personnel, autant pour l'écrivain que pour son héros, car Maigret y revient dans le village de son enfance, à la campagne, où son père a été régisseur pour le compte d'une riche famille. Simenon y mêle des éléments autobiographiques puisqu'il fut lui-même le secrétaire d'un noble, le marquis de Tracy, en 1923. Vous êtes venu, monsieur Maigret. C'est gentil. Mais c'est tout naturel. Avouez que vous avez hésité. À venir? Pas une seconde. À me reconnaître? Pas une seconde non plus. J'ai pourtant bien changé. Vous aussi, d'ailleurs. Quand je pense que j'ai pu s'en aller un collégien, il doit bien y avoir de cela. Attendez donc. 41 ans. Mon Dieu. Fin de l'été 19 à la mort de mon père. Nous ne l'avons jamais remplacé. Je veux dire, nous n'avons jamais retrouvé un régisseur comme lui. Dites-moi,
Il y a longtemps que vous avez reçu ça? 4 jours. L'heure du châtiment a sonné, tu mourras avant le 6 décembre. Oh, vous savez, à la PJ, on a l'habitude de recevoir des milliers de lettres comme ça. Le monde est plein de fous. Il y en a de gentils, d'ailleurs, mais il ne faut pas négliger l'hypothèse du fou dangereux. C'est pourquoi, si vous le permettez, je ne repartirai que demain, après le 6 décembre. À l'église, lors d'une messe matinale, Maigret assiste impuissant à la mort de la comtesse de Saint-Fiacre. Arrêt cardiaque ou meurtre? Ému, Maigret se souvient de cette femme autrefois élégante qu'il admirait lorsqu'il était gamin. Submergé par ses souvenirs, le commissaire peine à mener l'enquête et laisse au fils de la comtesse, Maurice, le soin de découvrir le coupable. Simenon renoue ici avec l'un de ses thèmes de prédilection, une famille aristocratique ruinée, touchée par le scandale et les affaires de mœurs. Ouvrons le chapitre 9 intitulé « Sous le signe de Walter Scott ». S'inspirant d'un roman qui se passe à Liège, le comte de Saint-Fiacre organise une terrifiante mise en scène. Dans une pièce située sous la chambre mortuaire de sa mère, il réunit autour d'un souper somptueux les principaux suspects du crime. Vous serez le fils triomphal, cher Jean-François Balmer, et je serai le narrateur de cette scène inoubliable. Vous êtes lugubre, messieurs. Vous ne savez donc pas jouer. Je vous dis que nous jouons. Nous jouons, si vous voulez, à être tous des commissaires, comme notre cher voisin de table. Le moment est arrivé où la comtesse est à bout, où on va tout vendre et où on s'apercevra que c'est vous, Gautier, qui avez profité de la situation. Vous, le régisseur modèle, l'homme intègre qui consacre sa vie à ses maîtres, vous êtes une canaille qui, depuis des années, profitait et abusait de la faiblesse de ma mère. Les hypothèques, c'est vous qui les prenez. Ne vous fâchez pas, Gautier. Est-ce que le curé s'est fâché, lui? Et pourtant, ce n'est pas fini. Et se tournant vers le maître d'hôtel, ombre dans l'ombre, démon aux mains d'un blanc de craie. Albert, allez chercher le revolver de mon père dans son bureau. On entendit sonner 11 heures du soir à la cloche grêle de l'église. Albert revint, tendit un gros revolver à barillet au comte, qui en vérifia le chargement. « Parfait. Je le pose ici, au milieu de la table, qui est ronde. Vous remarquerez, messieurs, qu'il est à égale distance de chacun. Nous avons examiné 3 cas. Nous allons en examiner 3 autres. Me permettez-vous d'abord une prédiction? Eh bien, pour rester dans la tradition, dans la note de Walter Scott, je vous annonce qu'avant qu'il soit minuit, l'assassin de ma mère sera mort. » Maigret lui lança un regard aigu par-dessus la table, vit des yeux trop brillants, comme si Saint-Fiacre était ivre. Et ça, c'est passionnant. La vieille salle à manger du vieux château, les bougies, la table chargée de bouteilles, puis, à minuit, la mort. Dites, mon vieil Albert, vous allez monter là-haut? Ce doit être tellement triste pour ma mère de rester toute seule. Maigret vit le regard interrogateur du domestique se poser sur le vieux Gautier, qui battit affirmativement les paupières. Le comte regarda l'heure à sa montre. 11h10. Je parle tellement que je n'ai pas entendu les cloches de votre église, monsieur le curé. Il était ivre, et il continuait à boire. Jamais de sa carrière, Maigret n'avait été aussi mal à l'aise. Et sans doute était-ce la première fois qu'il avait la sensation très nette d'être inférieur à la situation. Les événements le dépassaient. Il se sentait en présence d'une force contre laquelle il n'avait rien à tenter. Certains individus, à un moment donné de leur vie, ont ainsi une heure de plénitude. Une heure pendant laquelle ils sont placés en quelque sorte au-dessus du reste de l'humanité et d'eux-mêmes. Maurice de Saint-Fiacre vivait son heure. Il y avait en lui une force qu'il ne soupçonnait pas lui-même et les autres ne pouvaient que baisser la tête. Revenons à ce qui a fait le début de notre entretien, messieurs, puisque il n'est pas encore minuit. J'ai dit que l'assassin de ma mère était parmi nous. J'ai prouvé que cela pouvait être moi, le fils ingrat qui lui réclamait de l'argent, ou l'un d'entre vous, hormis peut-être le commissaire et le docteur, encore. N'en suis-je pas sûr ?
quelle est la caractéristique de ce crime? C'est qu'il y a au moins 5 individus qui gravitaient autour de la comtesse, 5 individus qui avaient intérêt à sa mort, 5 personnes au moins pour dépouiller une vieille femme privée d'affection. Un seul a osé, un seul a tué, il est perdu. Pourquoi ne pas nous faire sauter tous à minuit moins 4, messieurs, n'oubliez pas que personne ne sait. Il saisit la bouteille de whisky, servit à la ronde. Une bougie s'éteignit, les autres allaient suivre. Il affectait des airs de commissaire-priseur. J'ai dit minuit, minuit moins 3, minuit moins 2, l'assassin va mourir. Vous pouvez commencer une prière? Monsieur le curé, et vous, docteur, avez-vous au moins votre trousse? Moins 2. Moins 1,5. Et toujours ce pied insistant sous la table contre le pied de Maigret. Il n'osait pas se baisser pour voir qui lui faisait signe. Il avait peur de rater le spectacle. « Moi, je m'en vais !» cria l'avocat en se levant. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il était arrivé le lendemain du crime et se demandait dans quelle comédie il était tombé. Debout, il étreignait le dossier de sa chaise. Il hésitait à esquisser les 3 pas dangereux qui le conduiraient à la porte. Il hoqueta. Et en même temps, une détonation retentit. Il y eut une seconde, peut-être 2, d'immobilité générale. Une deuxième bougie s'éteignit. Et en même temps, Maurice de Saint-Fiacre vacilla, heurta des épaules le dossier de sa chaise gothique, se pencha à gauche, eut un sursaut pour gagner la droite, mais retomba, inerte, la tête sur le bras du curé. Alors la porte était ouverte, tu étais entré? Oui. Alors, selon toi, quand tu es entré, Madame Anderson était déjà morte dans son lit. Oui. Pourquoi t'es-tu dirigé d'abord vers le lit? Je ne sais pas. Pourquoi n'as-tu pas effacé tes empreintes? Au total, Maigret apparaît dans une 100aine d'œuvres, romans et nouvelles. En 1950, l'écrivain publie « Les mémoires de Maigret » où il s'amuse à inverser les rôles. Convoqué par le commissaire Guichard, son supérieur, Maigret reçoit la visite d'un jeune auteur, prénommé Georges Sim, qui souhaite s'inspirer de lui pour écrire un roman. Débonnaire, l'enquêteur accepte de lui montrer les ficelles du métier. Mais il se vexe lorsqu'il découvre, dans l'œuvre publiée, que son personnage se résume à une silhouette, un pardessus, un chapeau mou et une pipe. Qui est le personnage de fiction? Qui est le personnage réel? L'écrivain brouille les pistes comme un ultime pied de nez. Et je vous cède la parole, cher Jean-François Balmer. Au fait, Simenon a maintenant à peu près l'âge que j'avais lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. À cette époque-là, il avait tendance à me considérer comme un homme mûr et même, au fond de lui, comme un homme déjà vieux. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il en pensait aujourd'hui, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Et savez-vous qu'avec les années, Simenon, vous vous êtes mis à marcher, à fumer votre pipe, voire à parler comme votre Maigret. Ce qui est vrai. Et ce qui me fournit, on me le concédera, une assez savoureuse vengeance, c'est un peu comme si, sur le tard, il commençait à se prendre pour moi. Georges Simenon, je voudrais vous demander quel est le thème de vos préoccupations. Eh bien, la vraie préoccupation, c'est d'essayer tout de même de serrer toujours l'homme davantage, c'est-à-dire de le comprendre mieux. Et il y a 50 ans que j'essaye de comprendre les hommes, et mon Dieu, je n'ai pas encore fini de les comprendre tout à fait. Or, je pense que le plus important pour les êtres humains, ce n'est pas seulement la personnalité de chacun, quoique je sois un individualiste à tout cran, mais c'est sa possibilité d'avoir des contacts avec les autres. Au fond, les gens malheureux en général sont des gens qui n'arrivent pas à entrer en contact. Alors au fond, j'essaye de comprendre l'homme et de comprendre par quelle façon il parvient à appréhender, comme on dit, les autres. Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec Éric Boisset à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gaffe, Fanny Leroy et Claire Tesser. Un immense merci à vous, Jean-François Balmer, pour votre belle voix légendaire. Cette saison, vous êtes en tournée dans Le CV de Dieu avec votre complice Didier Bénureau. Un duo divin signé Jean-Louis Fournier dans une mise en scène de Françoise Petit. Bonne soirée et à la semaine prochaine.